Tremblement de terre. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça a l'air, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Tout va bien, tu n'as rien de cassé. Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Le tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, hey, Top Top! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Ah. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot. Oh.
Non, des branches, il y en a assez. C'est des pierres qu'il me faut maintenant. Quoi? Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, Nounpa. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Toc! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez, hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. Tap tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous on y va, on est un peu épuisés. Oh, comme je vous comprends. Moi aussi j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien les amis. T'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Bientôt, Tap Tap. Oh, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap Tap! Oui, merci encore pour le... Ah! Tu ne m'échapperas pas cette fois! Ah! Ah! Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor. Au secours. Au secours. Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré. Tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre. Ça marche? Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes.
Il raffole de graines. Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La voix de la montagne. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains, allez, réveillez-vous les louveteaux. Dressez-vous sur vos pattes, venez voir, vite. Dépêchez-vous, tête feignant. Allez, quoi, les petits loups? C'est Sissi qui m'envoie vous chercher. Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle. Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous venez! On pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain. Sing-Si et Poub nous attendent depuis un moment. Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route et suivez le guide. Allez hop. Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais... mais bon, désolé, allez, au revoir, t'as ton cas. C'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. On est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là. Bougez pas d'ici.
celui-là. Non, non, de l'autre côté. Coucou. Génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle. Super, c'est fantastique. Hé, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache. Ouais, c'est grandissime. Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Oh. Bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. Qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. C'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh, mais enfin, c'est quand même terrible, savez ce que je vous dis, que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé, je n'en peux plus. Oups, les gars. Tiens, tiens, tiens. Voilà un tout petit repas bien appétissant. Oh, j'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça quatre louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare. On est là. Qu'est-ce que t'as fait? Essaye de m'attraper. Alors mon gros chat, tu cours pas? Coucou. Alors Torque, eh ben alors, t'as pas de boussole? T'as réussi. Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yami. J'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça. Torque! Ah, te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon! Maintenant! Au revoir, Torque. Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Ah, trop bien. Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Wow.
Non, non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, t'as ton cas. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est vrai. Il n'a pas pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai? La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venu, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlements à la lune. Un concours de hurlements à la lune? On n'a jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Bon, enfin, Yamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Hé, hey, écoutez. Tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, je perds du poids. Bon, ça commence bien, il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur, il lui suffit d'écouter. Allez viens, Wai, il n'y en a pas pour très longtemps. Thank you.
Bonsoir, les enfants. Oh, bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix. Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Ah, bon, ben, merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle est ronde ! Alors, t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Hey, c'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis. Tiens, tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Hé, arrêtez, pas tous en même temps, ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si, si, si. La prochaine fois, soyez sympas. Prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents. Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous. Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes! Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas. Parti. Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Non. Ah, ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Wai. Regardez, des coyotes. C'était pas des loups égarés. Ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite. Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Bien, chef. Par ici. Bien essayé, les Minus. Mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. On l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yamni a raison. Vite, suivez-moi. Les coyotes, au secours!
À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce que nous a dit Tatanka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûre que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial, ils arrivent. Ah bah du coup j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. Ah, j'aurais jamais osé l'espérer. Ces louvetons stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. Qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sinksy, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qu'ils reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatanka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop. Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue. Wai, attends, s'il te plaît, arrête. Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord. Le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies? Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotal est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La dette de Sinksy. Dans la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Attention! Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi.
Oh, mais c'est pas possible, là, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est une pierre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de gland. Ah, je sais. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir. Xinxi ! Xinxi ! Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée ! Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou ? À ton avis, je fais quoi, gros malin ? Je suis tombé dedans, ça se voit pas. T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça ? Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète. Une minute, je suis pas sûre que tu... Si, si, ça va? Pas de bobo? Ça alors, j'en reviens pas, t'as réussi, Wai. Ces rochers m'ont sauvé la vie. Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord? Ah, t'as vu? J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Xinxi, sympa. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, le maudit gland. Dieu sait, je mourir de faim au moment d'y arriver. Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil. C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Ah, ça, Lulu, tiens, va voir là-bas si j'y suis. Au secours, c'est l'urgence. Xinxi est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces. Ah, non, ne dévore pas. Pitié, pitié, Lutin, tu vas me lâcher, oui. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Xinxi ! Laisse mon ami tranquille, t'entends ? On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir. C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Xinxi. T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici, parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre. Hein. T'as compris, l'affreux ? Oui, tu devrais être plus prudent. L'autre, pourquoi tu dis ça ? Et je te ferais dire que grâce à mon ami Xinxi, j'ai plus à m'en faire. Wai m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, bah zut, c'est pas là non plus. Tu peux pas aller chercher ailleurs, Wai. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ours qui fait sa sieste. Mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours, gros patapouf. Ah, qu'est-ce que je dis? Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que... Wai, il est encore en danger. Alors tu fais moins le malin, hein, maintenant. Boum, arrête, ça suffit. Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce Minus m'a traité de gros patapouf. Oh, d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Boum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Mes provisions, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Oh non, c'est pas possible, elles sont pas là non plus. Oh, je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, à moins que... Oh mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui. C'est pas une raison pour grogner après moi. Il faut que tu demandes à Wai d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc. Impossible, j'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. Et si on allait demander à Tatonka ce qu'il en pense? Tatonka? D'accord. Ouais. Et voilà comment Xinxi se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. Xinxi!
C'est bon, j'arrive. Xingxi a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Scar, ça m'étonnerait que Wai puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, déboule, fais quelque chose! Y'a pas un qui me menace de ses piquants! Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer! C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands! Je te dis que c'est pas moi! En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands! Et encore moins les pommes de pin, tu le sais parfaitement! Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Depuis ce matin, tu appelles Xingxi au secours pour un oui ou pour un non? Attendez une minute, Xingxi m'a promis son aide dans les cas épineux! Et je suis désolé de le dire comme ça, pas un, mais là, y'a un sacré cactus! Tu reconnais que Xingxi t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai! À partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Hé, Xingxi, oh, hé, non, hé, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. Oh. C'est ça, allez-y, je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. Xingxi! Pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. As-tu retenu de ce qui s'est passé? Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Xingxi. Mais oui, t'inquiète, tu restes mon écureuil préféré. Oh, super. Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Oh. Hein? Hé, hey, bah, les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Hé, hey, Xingxi. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls, surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire, nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc-épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas, les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur des myrtilles qui pointe.
de son museau. Vous m'en laissez, hein? Poum, c'est notre buisson. T'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors. Oh, ça va, hein, gardez-les, vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux, là? Mais attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Hey, salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wombly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Oh, le lac Miroir. Oh, à votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élans qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups, parce qu'on est les meilleurs, c'est logique. Ah ouais? Tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça. Je sais pas, moi, va chercher du miel. Je demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en veux plus? On te laissera une myrtille. Il est malade, cet ourson. T'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière! C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai! Ils vont dévorer toutes les myrtilles! À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Allez, il n'y a personne qui veut faire la course. Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein. Au secours. Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Oh! Annonçons à la dérive! C'est Poum! Le pauvre, il est entraîné par le courant! Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi. Ah oh non, apparemment il s'en sort pas mal tout seul. Au secours. Oh. Quelqu'un d'autre a besoin de mes services. S'il vous plaît, sortez-moi là.
Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Mousse! Il est en danger, suis-moi! Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé, je vais te sortir de là. En fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin derrière. Il marche vers le lac miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba, sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Sinsi? Mais non, hein, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévorée par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon, les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Hé, hey, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louveteaux. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui. Moi, j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas. Les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Dis-moi que c'est fini, Poum! Ouais, j'ai réussi! J'ai gagné! J'ai arrivé le premier! Ouais, ben moi finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Ouais, on y est. Poum? Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Mousse en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, c'est bien magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leurs proies favorites, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pataux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotale, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre.
La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.